Chapelle Saint-Germain, La Roque-Timbaud. Et ici, je dresserai mon autel. Perdu dans les bois. Jolie petite chapelle. La fontaine miraculeuse qui guérit de la peste. Sacrée fontaine. Elle guérissait de la peste et maintenant elle guérit du Covid. Cette source alimentait sous l'Empire romain les thermes des villas gallo-romaines. Le 28 mai 778, l'armée de Roland, neveu de Charlemagne, atteinte de la peste, fit une halte dans le vallon de Saint-Germain. Roland émit le vœu d'élever un oratoire si ses hommes guérissaient par cette eau. Le vœu fut exaucé. Apprenant cette guérison miraculeuse, Charlemagne fit donc édifier quelques années plus tard une chapelle qu'il dédia à Saint-Germain, évêque de Paris, au VIe siècle, pour lequel Charlemagne avait une profonde vénération. La fête du village a lieu tous les ans, le dernier dimanche de mai, et un pèlerinage célèbre cet événement.